Alors, dans cette partie, on va s'intéresser à la création de contenu, toujours, et à la gestion de vos. Alors, j'ai mis PowerPoint, on va dire de vos supports de présentation, pour pas être trop commercial, de parler de marque, les supports de présentation qui vont vous servir. Donc, ben, comme pour le texte, Word, c'est le plus utilisé, on a la même chose avec PowerPoint. Dans la suite, OpenOffice, on a aussi un logiciel de présentation de PowerPoint. Sur les PC, pardon, sur les Mac, vous avez aussi Keynote, un logiciel un peu plus spécifique avec des petits gris, mais qui permet de faire des présentations. Un truc intéressant, une alternative assez intéressante, c'est Prezi. C'est Prezi.com, c'est un site en ligne qui vous permet de faire des présentations. Et pour ceux qui veulent faire des choses plus dynamiques, plus interactives, carrément des présentations, même des petits sites web multimédia, vous avez un super outil qui s'appelle Geniali. Aussi bien pour que pour Geniali et PowerPoint, je vous ai mis un ensemble de tutos sous cette vidéo, dans cette partie-là. Si PowerPoint n'est pas installé sur votre ordinateur, un peu comme pour la partie texte, hein, que je vous ai présenté précédemment, Office 365, vous avez dans Office 365, qui est un serveur ouvert à tous les étudiants de l'UPF, en vous connectant, donc vous identifiant de l'UPF sur office.com, vous pouvez avoir accès. Je suis allé trop vite. Vous pouvez avoir accès à PowerPoint en ligne, partager ce PowerPoint à plusieurs, etc. etc. Ça aussi, c'est super intéressant. Je rappelle, 1 téra de données, un serveur en ligne. Mais bon, c'est sur Microsoft Office. Mais vous pouvez le préparer là-bas, le récupérer chez vous, partager à plusieurs. Enfin bref, il y a un outil vraiment intéressant à utiliser. Et même chose dans le cloud local, vous pouvez déposer vos fichiers PowerPoint. Ensuite, si vous voulez exposer vos documents, quand vous les avez créés dans les logiciels, il y a un super serveur que je vous recommande, même à aller parcourir, aller voir ce qu'il y a dessus, c'est slideshare.net. On a précédemment parlé de YouTube, où on pouvait déposer des vidéos. Et bien là, c'est un peu le même principe, c'est un serveur, le YouTube du PowerPoint, en quelque sorte, sur SlideShare, partage de slides. On peut déposer, alors là c'est mon slideshare à moi, j'ai déposé, je sais pas, mes conférences, mais une partie de mes cours, des choses comme ça. Ouais, il y a plus de 250 supports qui sont en ligne, et je peux déposer, les partager, donc c'est des choses qui sont rendues publiques, je suis obligé de les rendre publiques, hein. Ça c'est la partie publique de mon profil. Je peux déposer et présenter mes productions. Ça arrive qu'un support dépasse les 10 000 vues par exemple. Et ça engendre, ben, des interactions, des discussions, des choses comme ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de les rendre publics, mais c'est intéressant de partager ces présentations, ne serait-ce qu'avant une conférence, ben, si d'autres personnes tombent dessus, pour les partager, corriger les fautes d'orthographe, ben, pourquoi tu as oublié ça, pourquoi tu ne parles pas de ça, avoir une interaction par rapport à ça, et puis même laisser trace de ce que vous faites. Ça peut être un des éléments du fameux écosystème de votre portfolio. Si vous produisez plusieurs conférences, plusieurs supports ou pour vos cours, ben je vous invite à aller vous créer un compte, à regarder comment ça fonctionne, à regarder comment ça marche. Mais on retrouve le même principe que sur PowerPoint, que sur YouTube. Je crée un compte, à ce compte, je peux associer des médias. Ces médias, je peux mettre des mots-clés, les référencer. À chaque média, j'ai des statistiques. Voilà, on trouve la même chose que sur YouTube. D'ailleurs, pour la petite histoire, on appelle ça un média social. Les gens, ils peuvent rentrer en contact avec vous via du contenu que vous avez produit. Je vous ai mis donc une série de tutos sur PowerPoint. Donc, dans Espadon, il faudra, une fois que vous rentrez dans le tuto, il faudra cliquer ici pour naviguer sur le tutoriel comment faire votre PowerPoint. Et surtout, j'attire votre attention, là, je vais suivre si vous bossez un petit peu. Réussir votre support PowerPoint, une série de vidéos que j'ai fait avec un collègue belge, François Jour, qui travaille à Bruxelles, où on dit des choses très très intéressantes sur comment conceptualiser, comment réussir votre PowerPoint. Sur une petite série de vidéos, hein, pareil, vous pouvez vous naviguer dans la série de podcasts, ça dure 20 minutes, mais c'est, je pense, j'insiste, indispensable d'aller voir cette série de vidéos pour comment je vais constituer, comment je vais travailler, qu'est-ce que je dois mettre dans mes slides, quelles sont les règles un petit peu de présentation de mon PowerPoint. Voilà, c'était l'introduction sur les outils de création de contenu PowerPoint, de support de présentation, les logiciels, les outils d'exposition, et un peu réfléchir à comment marche tout ça.
Allez, ben maintenant, vous avez pas mal de travail. Je vous invite à parcourir toutes les ressources qui sont mises sous cette vidéo.